Ok, fait que là, une de nos derniers, c'est grimper la colline. Que fait l'homme des jeux ici et l'ultime bataille armée corbeau? La deuxième mission risque de se faire vraiment rapide. La première, ça dépend. Ça dépend de bien des choses, mais la dernière risque d'être un peu plus longue. Et il faut vraiment que je refasse genre ce truc-là, mais de l'autre côté. Et vraiment ça. Ok. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Salut Carlo, comment ça va? Comment ça va mal? Bon, ça va bien, c'est juste que... On n'a pas été chanceux, hein. Ok. C'est vraiment limite comme niveau, mais j'aime bien le défi. C'est vraiment cool au moins pour ça. Et okay, si on peut juste faire ça de même. Voilà. On va prendre cet œuf ici. Ok, ils nous disent que c'est aller par là. Je peux pas assez de dégâts pour toutes les tuer, c'est triste ça par contre. Et comment ça va toi Carlon, de ton côté? Est-ce que tu passes une belle journée? Est-ce que tout se passe? What the? Why? Je vais bien mais un petit peu fatigué, pas de problème, c'est le temps de prendre ce relax. Mercredi soir, j'ai les cornes qui poussent. C'est la musique. Bon, c'est le temps juste de prendre ce relax. Faut que je fasse un dash. Demain. 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 Pour aller plus vite. Ouais, le prochain choix, je dois vouloir faire ça demain. Demain. Il y a vraiment un bon point positif que j'ai à donner de Billy Hatcher, là. C'est le fait que les contrôles sont vraiment plaisants. Les contrôles, là, ils se prennent vraiment bien en main. C'est pas complexe à jouer à ce jeu-là. Genre, c'est comme Sonic, c'est un peu pareil. C'est un peu difficile au début. Mais à un moment donné, tu te places, puis genre, ça, c'est le fun à jouer. C'est plaisant les déplacements, c'est plaisant tout. Tout est plaisant de ce jeu-là quand tu commences à le maîtriser. Fait qu'il nous reste deux missions. Et après, on peut conclure cette aventure de Billy Hatcher et fermer le livre et aller vers d'autres horizons. On y arrive bientôt. Je sais que vous attendez Oracle of Season, là. Vous êtes fous là, à attendre ce jeu-là. Let's go! Let's go! Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Blablabla. Merci. Shit, la musique de Billy Hatcher en plus. Le fais-tu à 100% le contenu est facultatif? Là, tu fais le 100%. Je sais même pas si c'est considéré comme le 100% ce que je suis en train de faire ou s'il y a d'autres trucs parce qu'il y a quand même des pièces cachées dans les niveaux que j'ai pas toutes faites. Mais mettons en termes d'emblème, je te dirais que oui, ça reste un. Faut que je prenne un œuf obligatoirement. Fait que c'est un wannabe 100%. Mettons. C'est quand même plusieurs trucs que j'ai pas pris dans le jeu. C'est pas ce que je voulais faire par contre. Je sais plus quoi faire. Ah oui, techniquement, oui, j'ai fini le jeu. Mettons comme ça, ce que je suis en train de faire, c'est pas une obligation. Ça reste quand même du surplus bonus, mettons. Mais je trouve que ça vaut quand même la peine de faire les niveaux parce qu'ils sont quand même cool. J'ai tué toutes les emblèmes pour les faire les pièces plus CRS partout. Ça, c'est quand même un méga 100%. Pas une left, merci. Y'en a-tu un autre? Et y'en a un ici, fait qu'en gros, on va utiliser la petite technique. Voilà.
Là, je sais vraiment pas si ça m'aide le fait d'avoir les bottes en même temps. J'essaie de faire quelque chose de simple. Et tellement que je cours vite, j'ai l'impression d'aller beaucoup trop vite. Mais ça va. Ça va. Et la musique de Billie Eilish était cool au début, mais là, elle commence à me taper ses nerfs. Et ça, ça passe. Et mettons avoir les pièces là-dedans. Là. C'est quand même une preuve quand tu y penses. Si je peux pas finir, on va juste récolter la dernière. Ça t'a été trop les rangs S partout. Mais les rangs S, c'est juste faut que tu aies vraiment des combos que tu fais avec les ennemis. Fait que c'est pas si pire que ça. Il faut pas que tu meurs, bien entendu. Fait que c'est juste une question vraiment de. D'utiliser tes familiers de la bonne façon puis faire les combos, tu sais. Ça s'enchaîne assez vite, exact. C'est pas non plus impossible. Puis c'est pas si difficile, faut juste que tu prennes le temps, tu sais. Parce que tu vois, mettons, j'ai un rang S maintenant, j'ai juste fait. Tu sais, rapidement le jeu, tu sais. Le niveau plutôt. Puis je suis pas mort. Ça rentre là-dedans. Fait que la dernière mission qu'on a à faire, et après on va aller voir notre petite encyclopédie pour voir le nombre d'œufs qu'on a éclos, parce qu'il y en a d'autres qui restent aussi quand même dans le jeu. Dont les œufs spéciaux Sonic, mais on va pas aller les voir. Il y a des personnages, il y a des caméos qui apparaissent de certains personnages qu'on peut avoir en familier. Mais c'est pas dans notre intérêt non. Donc, dernière mission. Et après on finit sur ce jeu. C'est de tuer le plus d'ennemis possible. Déjà me foncer dessus, j'apprécie, merci beaucoup. Et j'aimerais ça juste grossir mon œuf pour faire plus de dégâts. Comme ça, on va être déjà en business. Je sais que je dis ça, mais je vais juste switcher. Et je vais avoir un familier. Avoir son petit Sonic de compagnie. C'est vrai, le pays. Il y a Sonic et Knights. Je sais pas si c'est d'autres par contre. C'est tu one shot. Cache dedans. Ça risque d'être probablement le taureau. Je vois que je dis que c'est le taureau finalement celle-là. Bonjour monsieur le taureau. Ça serait cool je pense. Ça serait cool je pense que le chat disparaisse pas après un certain temps. Le fait qu'il disparaît, puis c'est une bonne idée quand même que tu me dises. Faudrait que je vois si c'est possible de le faire qu'il disparaisse pas quand je suis en mode comme ça. Parce que quand que je le mets qu'il disparaît, c'est quand que je fais en 16/9 avec un green screen, je veux pas que le chat reste. Et c'est ça le problème. Faudrait que je trouve s'il y a une façon de pouvoir comme le switcher facilement. Parce que j'avoue quelqu'un qui, mettons, il y a le layout de même. C'est plus important qu'il reste, qu'il disparaisse. Mais quand que mon green screen, je suis en bas complètement puis il est au-dessus. Ouais, c'est sur cette stain-là seulement. Mais sinon, ça aurait été tellement simple qu'il y ait comme quelque chose qui peut cocher, décocher. Ça aurait été cool, tu sais. C'était limite, ça. Parce que sinon, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, j'espère au moins voir peut-être le pit-pit. Here's the Cold Chaos, le singe maracas, c'est le truc orange dont je me souviens jamais de son nom. Truc orange? Oh? C'est pas ce que je veux qu'il se passe par contre. Je vais avoir Clépen. Faudrait que tu copies, que tu le copies, que la copie en intemporelle soit sur cette scène. Ouais, puis que tu mets, mettons, le script associé à celui-là sur un, puis pas associé sur l'autre. Mais je pense que ça pourrait peut-être se faire. Parce que logiquement, tu peux mettre un script dans une page, la page internet de OBS. Peut-être que ça pourrait se faire. Ah bon, faudrait que je check. Peut-être. C'est pas avec Stream Elements, c'est avec Streamlabs que j'utilise. En même temps, ça reste dans la même idée. En gros, c'est directement sur Streamlabs que j'ai mis mon CSS et compagnie. Capu Capu, le truc orange. Capu Capu. Capu Capu, ça me fait penser à Aku Aku. Je sais que c'est pas ça. C'est ça que c'est drôle. Et là, je sais pas ce que je fais en allant par là, mais I guess que je vais aller par là. Hein. Yeah!
Il y a un pingouin nommé Ragrappy. Ragrappy? Connais-tu Ragrappy? Je le connais pas. Avec l'épine, c'est quasiment pitché dans le vide. C'est un fou. C'est des trucs de fou, l'épine. On va faire ça en premier. On va faire ça en deuxième. Merci. Et puis Capu, ça vient de Chuchu Rocket. Ah, c'est pour ça que ça me dit rien. Vu que j'ai entendu ce nom à un moment donné sur mon Discord, et j'avais aucune idée c'était. J'ai vu ce nom, j'ai juste fait... Oh. Mais ça finit là. Ok, 35 ennemis qui nous restent à tuer. Ça devrait quand même bien se faire, je pense, dans l'ensemble. Ici. Là, la seule chose, c'est qu'on doit retraverser ce chemin ici. On va faire quelque chose. On va prendre ça. Ça va peut-être être utile, puis on va prendre un plus petit œuf. Parce que quand l'œuf est vraiment trop gros, des fois, c'est un peu plus puissant. On va essayer de se déplacer d'une façon simple dans un niveau. Parfait. Je pensais que ça les tuait toutes, mais finalement vraiment pas. Parce qu'on allait avoir la pire. 17 qui me reste. Okay. Ça roule ici, on peut continuer par là, il devrait pas m'en rester plein que ça. Peux-tu faire quelque chose maintenant? Faire ça de même, ça de même, faire ça de même. Voilà. Juste pas tomber dans le vide. Et ça, j'ai pas envie d'avoir un gros œuf. Pire chose qu'on peut avoir dans les espèces de roulades, comme je vous expliquais, d'avoir un plus gros œuf, parce que j'ai l'impression que c'est plus tough de vouloir s'enligner pour pouvoir sauter à la bonne place. Du but encore une fois d'avoir un bon rang. Et encore une fois on fait quoi? On scrape notre game. Le jeu en a décidé en trauma en faisant notre bob de scraper ta game. Pareil, j'ai compris. Hein. T'es rendu habitué. Hein. Et ça c'est genre la quoi, quatrième fois que je le fais? Ok. 6 vies, Mad Bob. 6 vies. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup. On est correct hein, avec 6. Cinquième? Tiens. Je pensais que je vais la refaire encore une fois, parce que moi j'ai l'impression que oui. Hein. Moi je dis qu'on y va pour une autre fois, une sixième. Sixième, ça serait cool hein, qu'on la recommence encore une fois. Vous avez pas vu assez souvent la glissade ici. Hein. Je pensais que j'allais tomber en plus. Imagine, je me pisse dans le vide ici. Mais non, on va pas faire ça, je suis pas calme. Et j'ai aucune idée si ce qu'on va être. On va essayer d'aller chercher ça rapidement. C'est probablement genre en. C'est pas calme, c'est aventureux. Ok, et toi tu dis que quelqu'un qui meurt de façon. Random dans un jeu, c'est pas être cave, c'est être aventureux. J'aime bien. Plus gentil, mettons, comme terme. T'es pas cave, t'es juste aventureux, dude. Ok, on veut juste se rendre à l'emblème. Et c'est la dernière qu'on avait besoin de... Oh, attends. Juste pour le fun, je veux voir c'est quoi ça. Parce que si c'est le pit-pit que je veux vous montrer, je serais content. Imagine. Imagine. J'irais même que tu es un pionnier des limites de l'exploration. Je sais pas si je devrais le prendre gentiment ou méchamment en disant ça. Mais en même temps, ça veut dire que je suis aventureux, c'est ça qu'est-ce qu'il faut, fait que... Je suis pas cave!
J'explore les caves, mais je ne suis pas cave. Bien joué! Nous avons fini! Enfin! En D, comme décolle ici. Encore une fois. L'animus arrive sur le copium en plus. Fait qu'on a eu un emblème de plus parce que j'ai pas lu le texte. I guess que ça veut dire que j'ai eu un emblème de plus parce que j'ai eu tous les emblèmes. Parce que, why not? Fait que, dernier petit truc qu'on s'en va voir, c'est le Egg Gallery. Puisque le Egg Gallery est quand même toutes les œufs qu'on a éclos. Puis, probablement qu'il en reste quand même une coupe qu'on n'a pas faite. Pas si pire que ça quand même, il reste le 19, 29, attends, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est quand même pas si pire ici. En plus, eux autres, là, c'est pas mal juste des... de plus. Ça voulait tellement rien dire ce que j'ai dit. Faites quelque chose à cet homme, aidez-le quelqu'un. En parlant d'aide, là. Bah, c'était cool.